Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Joël. Bonjour Joël. Bonjour Guylaine. Alors, c'est un grand plaisir de partager ce moment ensemble. C'est une première. Oui, moi aussi. Ah, c'est une première, c'est une vraiment chouette. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler du neurofeedback. Alors, bien sûr, ça fait quelques années que vous entendez parler du neurofeedback. Donc, l'Institut Neurosciences, elle est quand même depuis mai 2017. Oui. Hein? Ça fait combien d'étudiants jusqu'à maintenant qu'on a de formés? On a oublié de compter, mais je pense 250 à 300. Oh, je pense qu'on dépasse les 300. Ah, peut-être, peut-être. Alors, voilà, moi, c'est Guylaine, donc de l'Institut Neurosciences. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous cette première vidéo. On va vous offrir 4 vidéos. Alors, cette première vidéo, c'est « Qu'est-ce que le neurofeedback ?» Et bien sûr, on va vous partager cette semaine donc d'autres vidéos pour vous faire découvrir de l'intérieur comment vous pouvez intégrer le neurofeedback à votre pratique. Alors, Joël, première question, tu exerces quand même depuis combien d'années au niveau professionnel? Oh mon Dieu, près de 50 ans. Ça va vite les années, hein? Ça va très vite, très très vite. Et qu'est-ce que tu faisais, on va dire, entre guillemets, dans ta première vie, si on peut se permettre de dire ça? Donc, quand tu as débuté, qu'est-ce que tu faisais de beau professionnellement? Eh bien, j'étais physiothérapeute, formation française, oui, même si ça fait 30 ans, bien sûr, que j'habite au Canada. Et comme à cette époque, il y a quand même quelques années, l'évolution des sciences n'en était pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'est clair. Et tout particulièrement, il y a eu un courant très, très progressif qui m'amène et qui nous amène aujourd'hui, bien sûr, à parler du neurofeedback. Quel est ce courant exactement? On peut dire que déjà dans les années 80, 90, les connaissances sur la biomécanique humaine étaient très, très, on va dire, focalisées sur le corps, très, très peu sur le cerveau. Et une façon d'approcher ces difficultés à l'époque, c'était surtout d'avoir ce qu'on appelle une approche globale, c'est-à-dire de, ou ce qu'on appelle aussi une approche systémique, c'est-à-dire de considérer l'être humain comme un tout. Mm-hmm. C'était une époque aussi où, dans bien des domaines, il y avait cette approche qu'on disait holistique, exactement. Hein? C'est dans les années combien ça? 75, 85, 80, jusqu'à 90, très nettement. D'accord. Hein? À partir des années 90, des choses ont commencé à changer. Effectivement, c'était d'ailleurs, je pense, le début de ce terme qu'on appelait les sciences cognitives. C'était tout nouveau. Et c'est dans ces années-là aussi qu'est née ce qu'on appelle la neuroimagerie, qui permettait, avec différents appareillages, de connaître un peu mieux l'être humain de l'intérieur. Et on peut dire qu'à partir de là, tous ces concepts de biomécanique des années 80, 90, avec une philosophie, on va dire, globaliste, eh bien, a continué de continuer ce chemin de l'approche globale, mais en ayant des connaissances plus intéressantes à partir de ce qui se passait au niveau du cerveau humain. Ben, c'est à cette époque-là que moi, je suis arrivé au Canada, spécifiquement au Québec, et qu'avec Guylaine, dans les années 95-98, on a ouvert un centre sur la rive sud de Montréal, à Saint-Lambert exactement. Et dans ce centre, nous avions eu l'idée de nous adresser, de façon justement avec cette philosophie très globale de l'être humain, de nous adresser à des adultes qui étaient en prise avec des douleurs chroniques, et puis également des enfants, qui présenterait des troubles de développement. À cette époque, justement, on était sorti de ces concepts de la biomécanique pour se diriger vers des concepts donc plus holistiques. Et notamment, en 2000, je suis allé faire un diplôme interuniversitaire de posturologie clinique en France, même si j'étais déjà au Canada depuis quelques années. Et c'est en ayant ces nouvelles connaissances qui unissaient quand même
on va dire, le système nerveux avec la mécanique humaine, que nous sommes intéressés à comment pouvoir modifier, par stimulation des systèmes sensoriels, comment nous pouvions modifier les informations que le cerveau pouvait traiter de façon à améliorer certains troubles, dont les troubles douloureux chroniques de l'adulte et les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant. Donc nous avons exploré tout ce qui pouvait se faire à l'époque, je me souviens très bien des voyages qu'on a fait ensemble, de façon à aller chercher toutes les méthodes de psychomotricité qui aujourd'hui sont encore à la mode et pourtant que nous avions exploré déjà il y a bien longtemps. Je pense aux réflexes archaïques, à ces méthodes dites effectivement basées sur les stimulations sensorielles. Aussi, on a exploré très très tôt tout ce qui était les stimulations visuelles ou les stimulations auditives pour modifier justement l'intégration que le cerveau peut faire de toutes ces informations sensorielles pour l'aider à mieux fonctionner. C'est ce qu'on appelait en neurophysiologie d'ailleurs une approche de haut en bas, c'est-à-dire du bottom-up, c'est-à-dire que l'information sensorielle est capable à elle seule de venir modifier ce qui se passe un peu sous le cerveau, dans ce qu'on appelle les centres sous-corticaux, sous le cortex. Et c'est une approche qui est encore d'ailleurs assez vive, notamment en France. Par contre, nous, chemin faisant, on s'est rendu compte que toutes ces méthodes de stimulation avaient quand même un intérêt, bien sûr, mais que nous nous adressions déjà à des enfants très petits qui avaient bien des capacités, bien plus que nous le pensions. Et que lorsqu'on aidait ces jeunes enfants, ou ces adultes d'ailleurs, par des méthodes de stimulation, eh bien c'était à des structures bien plus hautes au niveau de l'échelle du système nerveux central que nous adressions. Notamment, on s'est très très vite rendu compte que les comportements moteurs, ceux que nous essayons justement de modifier en termes de générateurs de douleurs chroniques ou de troubles de neurodéveloppementaux chez l'enfant, que ces comportements moteurs étaient entièrement intégrés avec les fonctions cognitives et puis également les fonctions émotionnelles. Donc c'est tout à fait naturellement qu'on s'est orienté très rapidement vers les neurosciences du cerveau qui commençaient justement à se développer dans les années 2000 et que nous sommes à ce moment-là à vous chercher. Et puis nous avons trouvé en 2006, je me souviens très bien, nous avons rencontré les pionniers, d'ailleurs, au Canada, du neurofeedback. C'était une première rencontre très, très intéressante. Et on a pris la dimension de ce qui se faisait déjà depuis une bonne vingtaine d'années, à l'époque, 25 ans au moins, aux États-Unis, notamment en Californie et dans d'autres États américains. Et du coup, on s'est mis en recherche de trouver des méthodes de neurofeedback que nous pouvions ajouter à nos méthodes de stimulation sensorielle pour justement correspondre à ce cheminement que nous avions à l'intérieur de notre expérience clinique de pouvoir aider de la meilleure façon ces adultes et ces enfants. Et oui, on a été, je me souviens très bien, en 2007-2008, intéressé par une méthode qui est née au Canada, qui s'appelle le neurooptimal, qui était... son concepteur était Val Braun, qui est dans l'ouest du Canada. Et nous avons acquis ce système et nous avons donc essayé avec ce premier appareil. Bon, très rapidement, malheureusement, ça ne nous a pas forcément convenu parce que notre démarche qui était déjà riche sur le plan clinique, cet appareil ne nous apportait pas grand-chose de plus. Mais bon, qu'importe, on est allé chercher une autre méthode. Qui s'appelle la méthode Ottmer, qui est surtout répandue en Allemagne. Et en ayant exploré aussi cette méthode, toujours avec autant peu de réussite par rapport à ce que nous attendions, nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait un élément. Alors, Joël, quel est cet élément, justement, qui a fait la différence et qui a changé notre orientation pour offrir un neurofeedback à notre clientèle? Quel a été cet élément? Cet élément, on peut même le décomposer en deux.
L'élément le plus important, je pense, c'est que nous étions habitués dans un concept biomédical, déjà depuis très très longtemps instauré, on était habitués à induire à la personne une thérapeutique, une intervention sous forme de stimulation. Et en fait, ce qui nous manquait, c'est de comprendre que pour qu'il y ait un changement durable au niveau de la physiologie, mais il faut absolument que ça passe par un apprentissage. En tant que physiothérapeute, bien sûr, c'était la base de mon métier, donc c'est forcément quelque chose que je faisais comme sans me rendre compte. Mais en y réfléchissant bien, développer des apprentissages, alors qu'effectivement, on ne sait pas quoi, la personne ne se rend pas compte de ce qu'il faut apprendre, c'est un peu difficile. Et c'est ce qu'on a découvert avec le neurofeedback, celui bien sûr qui est pratiqué depuis une trentaine d'années par les Américains, qui est donc basé sur les bases de l'apprentissage, que cette technique, cette méthode même, c'est beaucoup plus qu'une technique, parce qu'il y a plusieurs techniques qui composent la méthode, que cette méthode permet d'apprendre à conscientiser des éléments qui sont en général automatisés, qui sont pas du tout conscients, et que si on peut les conscientiser, eh bien on est capable d'opérer soi-même un changement au niveau justement des éléments neurophysiologiques qui vont permettre de modifier les comportements, que ce soit les comportements moteurs, les comportements cognitifs ou émotionnels. Ça, c'est donc le premier élément le plus important que nous avions oublié dans notre pratique et que nous avons découvert à travers justement cette philosophie du neurofeedback. Est-ce que tu peux nous dire, parce que bon, là tu nous emmènes vers ce nouveau neurofeedback, on va dire, en tout cas du moins celui qui vient des États-Unis, qui est là depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce qui le différencie, ok, des autres neurofeedbacks que tu viens de nommer? Pour que les gens là, qui nous écoutent puissent être capables de comprendre. Tout d'abord, pour que pouvoir apprendre au cerveau quoi faire, la première des choses, il faut détecter qu'est-ce qu'il faut modifier dans le cerveau. Et pour ça, il n'y a qu'une façon de pouvoir le faire, parce que c'est une façon qui est connue et qui est ancienne, c'est basé sur ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Et même si l'électroencéphalogramme est connu dans le milieu médical et de la santé depuis plus de 100 ans, nos amis américains ont eu l'idée, déjà il y a donc plus de 20 ans, de construire des bases de données de façon à pouvoir comparer l'activité cérébrale d'un sujet dont le cerveau fonctionne tout à fait normalement, mm-hmm. avec justement une base de données qui permet de comparer les troubles, on va dire, de la régulation de ce cerveau, dans quelles ondes cérébrales ça se joue, ça se situe, et aussi à quel réseau neuronal, on va dire, à quel endroit ça se passe dans le cerveau. Et donc, en pouvant avoir un outil de mesure objectif de cette activité cérébrale et de pouvoir la comparer avec la base de données, ça permet à ce moment-là d'établir vraiment une cartographie cérébrale à partir de laquelle on va pouvoir vraiment définir un protocole ciblé, précis, qui va pouvoir engager la personne dans un apprentissage de son activité cérébrale. D'accord. Donc, tu es en train de dire que, grâce à cette évaluation, on est en mesure de quantifier les excès, exemple, dans les ondes cérébrales. On parle des ondes, pour les gens, s'il y a des gens qui nous écoutent, ne savent pas trop. Donc, on parle des alpha, bêta, theta, delta. Et est-ce qu'on inclut également les gamma, tu peux préciser, dans cette évaluation? Non, en général, dans cette évaluation, on mesure, en fait, l'activité du cerveau au quotidien. Or, l'activité du cerveau au quotidien, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, même si c'est comme un moteur de voiture, sa différence, c'est qu'il est toujours en activité et qu'en plus de ça, il ne connaît que deux vitesses, lui. Ou je me repose, quand je dors, par exemple, le cerveau est au repos, mais il fonctionne. Ou alors, je suis en activité et l'activité d'un cerveau normal, bien sûr, c'est de fixer son attention pour interagir avec l'environnement et en général, on ne rentre pas dans ces
ondes ou de très haute fréquence, donc notamment les ondes gamma, qui peuvent être utilisées dans certaines conditions, mais on va dire qu'elles ne sont pas quotidiennes et donc pas étudiées dans l'évaluation. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, hein, mais c'est uniquement pour bien poser, pour que tout le monde puisse bien rester avec nous et nous suivre, n'est-ce pas les amis? Donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre le neurofeedback et le biofeedback? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux?